aujourd'hui une dégustation de soupe. Je suis pas très soupe, mais voilà, je voulais essayer. En plus, je suis malade, ça peut faire du bien. Donc, j'ai pris une soupe en sachet, 9 légumes de Knorr. Voilà, il fallait faire bouillir 750 millilitres d'eau. 750 millilitres d'eau. J'ai mal mélangé, il y a des petits grumeaux. Bon, ça, je vais les écraser comme ça. On peut rajouter également de la crème fraîche dans tout ce qui est velouté, tout ça, ça donne de l'épaisseur, ça donne de... Donc je vais tester, vous dire, il y avait marqué ne pas saler. Donc on fait bouillir 750 ml d'eau, on sort du feu. Ensuite on rajoute le sachet là. Et ensuite on remue et ensuite on laisse reposer, on laisse cuire quelques minutes à feu doux. Elle n'est pas mauvaise. Franchement, je la voyais plus liquide, elle est quand même épaisse. Excusez-moi pour le bruit. Attends, je vais. Bon, elle n'est pas très chaude, ça va. Ah, j'ai laissé refroidir. Non, elle est pas mal. Elle est pas mal, franchement. Comme celle en brique, on va dire. Bon, c'est pas la même que celle fait maison, hachée, où tu haches les légumes, tout ça. Ça se voit que c'est industriel. Mais c'est pas mal. En plus, il y avait marqué quoi là? Pas d'additif ou quoi? 3 portions. Il n'y avait pas marqué un truc, pas d'additif derrière. Oh, agriculture sans colorant, sans exhausteur de goût. Voilà, avec moins d'additifs. Il n'y a pas marqué pas d'additifs, mais moins d'additifs. Ouais, j'aime bien. Moi, ça faisait longtemps que j'ai pas mangé une soupe. Regardez, on peut. Attendez, je vais essayer d'ouvrir la page. Hop, regardez, juste sur un endroit. En plus, ça permet de refroidir plus vite. Faites comme ça. Vous voyez, ça fait marbre. Ça fait marbrer, ça refroidit en plus. Ça donne un peu plus de consistance, des protéines et des lipides. Je vais goûter là, avec la crème. Et sans la crème. Ouais. C'est pas pareil, on sent plus les légumes quand on met pas la crème. Quand on met la crème, on sent moins le goût du légume. Ouais, c'est pas mal et ça permet de te finir plus vite. Tu vois, tu mets un peu de crème au poivre. J'ai tout fait tomber le. C'est une soupe à la crème maintenant. Une soupe marbrée. Ah, c'est joli quand même. Voilà, on peut changer les marbrures comme ça. Hop. Hop. En même temps, tu fais un jeu pour les enfants. Un petit jeu. Là, du coup, elle est moins chaude. Moi, j'aime bien. Je voulais faire vraiment une vidéo courte, mais finalement, ouais, j'ai prévu. Finalement, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss.